Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite, la fin de match du PSG face à Lorient. Non, bah ça va ça. Allez. Assez court, le centre, Einstock le ballon. Ah, c'est pas possible. Kevin dans les paquets. Oh là, c'est terminé. Un mèche, hein. Gamero. Mathieu Bonnemer. Ah, c'est d'aller en prise de la tête. Non. Kevin dans les paquets. Et merci à Franck Chauzet pour ses commentaires toujours aussi intéressants. Eh bien, revoyons ensemble. Voilà. Match victoire du PSG face à l'Orient 3-1 à domicile. Alors, je vais ici 1-1. Alors, Bruno pour PSG, Romain pour eux. C'est l'autre. Et on continue. Finale, et c'est parti. Dans la dernière campagne de signalisation de l'équipe de la Coupe nationale. Oh, on recommence. On va ici, taille là. Allez, prochain match, c'est parti. À domicile. Deuxième, pas deuxième. Les paillettes. Allez, c'est parti. Pour 80 minutes de sensation. Allez, je pense que c'est pas le tien. Salut à tous. Les joueurs sont sur le terrain. Ils attendent bien entendu que l'arbitre donne le coup d'envoi pour ce match. Ce match prend des équilibres sur papier. Il y a une équipe qui est nettement plus forte que l'autre, qui semble plus forte. Allez, Bindoula. Bindoula. Le but à l'entrée du terrain. Eh bien, les choses ne vont pas traîner. On va pas s'en plaindre. Il débloque la situation avec ce but 1-0. Pas de soucis pour le défenseur, bien joué. Allez. Et Guillaume Doula. Oh, la belle intervention. Oh, c'est bon. Oh, bien joué de la part du défenseur. Non, ben. Ouais, il a bien fermé la porte sur ce coup. Et avec Gulli. Oh, le duel avec le gardien maintenant. Oh non. C'est pas passé loin. Ah, c'est côté. Essayé, ouais. Pas possible, ça. Oh, non, il était presque au but. Et bon dégagement du gardien, Mansoro. Le Gulli. Oh oui, le duel avec le gardien. Gioli. Allez, frappe. Oh, ça joue. Pas trop. Ouais, ils ont récupéré le ballon, les défenseurs, ils ont bien fait. On va casser le goal. Ok, d'accord. Ouais, le ballon est sorti, renvoie 6 mètres. Toujours la passe. Zoom à la Camara. Fantôme. Ah, voilà l'interception. Peggy Louindoula. Attention, il n'y a plus que le gardien sur sa route. Louindoula. Oui,
Mais le Lundula. Allez, 2-0 pour Paris. C'est Etienne. Déjà 5 minutes. Possible. Bon, je pense que la fin de match, je vais couper la fin de match. Je vais couper. Je vais revenir en... Ah, je suis en mieux, je suis que je me laisse. Non, bref. Oh oui, c'est pas ça passe avec le gardien. Tiens, ça prend là. Et triplé de Louis Ndoula. Et c'est la 140e, 35e but. 35e but. Pour le Ndoula, c'est ça. Ouais, superbe triplé. Titre personnel, c'est magnifique. Et le match qui n'est pas terminé, attention. Le Gulli. Et Julie, tu le mets là. Non, pas ça. Bon, on a un changement. Il n'y a eu qu'une seule équipe. Temps fort, suivant. Non, les chiffres. On a vu du bon football. Ah non, mais... Du rythme. Quand, si cette équipe continue, quand j'en ai arrivé à 9 minutes, j'arrêterai. Voilà. Pause. Donc on va baisser Julie par... Yarding Waro. Yarding Waro. Je sais pas. Non. Yarding. Et oh ouais, une de base parfait. Allez. Entre match pour 15 minutes. L'arbitre donne le coup d'envoi de cette seconde période. Bocanegra. Rivière. Le Gulli. Oh, si trompe le gardien, c'est but. Voilà, de Julie. 35 minutes en folie aussi. C'est tout le rouleau compresseur là qui s'est mis en route et les défenseurs ont été complètement submergés. Ah, c'est incroyable, il y a quelques secondes. Ils pensaient peut-être marquer un but et ils se retrouvent avec le ballon au fond des filets. Ah, oh, mes gens, mes gens. Harding. Oh là là, il n'y a plus que le gardien. Yarding. Est-ce qu'il va... Eh oui, le dernier. Parfait. Alors celui-là, eh bien, il va rester probablement et certainement gravé dans toutes les mémoires. Qu'est-ce qu'il est bon. Ah, il y a du changement dans l'air. Un autre certain a activé le réchauffement sur la touche. Et voilà qui va le remettre en confiance avec toutes les occasions qu'il a ratées. On va certainement voir un jeu d'attaque qui varie arriver avec ce changement. Oui. Non, il est joli. Oh, attention, il n'y a plus que le gardien. Oh, oui, la position décisive, là, le gardien. Et l'entraîneur français a un second changement. Oui, oh, c'est déjà fini. C'est souvent des occasions de but. On préfère le jeu de couloir. Le centre. Et c'est Jérémy Dallon qui sera le premier sur ce ballon. Bon, ben, je pense qu'on va se laisser là pour le match PSG. Mais s'il n'est pas encore fini, c'est encore même pas 30 secondes. Ouais, bon. On va s'arrêter là. Allez, on va s'arrêter pour la fin du match du PSG face à Saint-Étienne sur le score de 5-0. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, on se retrouve pour le prochain du PSG. Allez, bonne journée à tous.